Bon, bonjour les jambes. Bonjour les jambes. Il y en a déjà une par terre. Mylène. Ah, mignonne, ma fille. Dis donc, Mylène. Arrête de gigoter. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Raté. Normalement, les branches doivent être au pied de l'arbre. Et comme je suis pas attentif. Ouais, ça laisse à désirer quand même. Bordel, moi, dis donc là. Je kiffe ce métier. Je kiffe ce métier. Doucement, Jeannine. Ça sert à rien, maintenant que je suis dedans, il va tomber. Hein. Putain, il me secoue le bâtard. Foiré. Ça doit être tout là. Ici, là. Au pied. Si vous les mettez plus loin, vous n'êtes pas bon. Je suis incroyable, le soleil. Qu'est-ce que ça dit, ma tête? Qu'est-ce que ça ne dit? Elle passe ou elle passe pas la tête? Elle doit, hein. Si le vent s'arrête, ouais. C'est la première chose incontrôlable qu'il y a dans ce métier. Tu es en train de couper. Et là, au moment où t'es bien tranquille, tu es en train de faire ta coupe peinard. T'as Zozo qui se lève et qui te fout le bordel dans ton planning, tu vois. Ah, mignonne. Au pied. Coûte rien, nom de Dieu. Ah, ça commence à être répété. Hein. Presque 4 secondes pour arriver en bas la branche. Ça te parle? Allez, on grimpe. Ah, c'est pas top, parce que ça c'est le cœur. Faut monter encore un peu, hein. Ça passe pas, hein. Ah, faut monter encore un peu les gars. Faut monter encore un peu. Ah, mignonne. Allez bête. On va un peu plein la gueule quand même. Alors on est pas scon. Mais calme-toi Marissette, oh là là, ça va. Allez, sois mignon. Sois mignon et tonton Domi. Calme-toi mon labinon.
pas mal. Ouais. Ah, comme c'est beau. Elle n'a plus la tête. Ah, comme c'est beau. Ah, c'est beau, ça fait kiffer, ça me fait kiffer. Alors ça, merde le domaine. C'est beau la vue. Je resterai là des heures. Tout mon plaît, Mario Thème. Bon, il est mignon, Pépère. Il y va là, qu'est-ce que t'en dis? Ah, j'aurais de faire une descente quand même. On y va. Allez. Ça fait quoi de descendre? C'est le meilleur moment de la journée. Et les gars, 54 minutes en filmant. C'est pas mal. Ah, mon gars, il est tout né. Tiens, c'est autre chose que le frelon, ça. Salut à tous, salut Ursus. Bon, ça vous a plu? Alors, j'ai gardé la GoPro au cas où. Salut à tous, salut. Attends, j'éteins ça. Oh, à travailler, oh. Alors, normalement, tu, même si tu trembles un peu, ça va tenir. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? T'as allumé, ça? Ouais. Oh. Si, il dit qu'elle fait le détente direct, pourquoi je l'ai plus? Ah, attends. Ah, ça avait planté, c'est bien ça. Ah, ça plante, oh de Dieu. Hein, bébé? On va battacher, bébé. Qu'est-ce que t'en dis, mon chien? Et maintenant, abattage. Abattaché. Bon, ça t'a plu? Tu l'as entendu, le big boom badaboom? Alors, c'est la suite du direct. Il y en a déjà une par terre. Il est sur le live. Alors, pourquoi on les tombe? Oui, non, non, elle est belle. Hein. Elle est pas que belle d'ailleurs. On va le couper. C'est parti. C'est parti. Moi aussi, j'ai tellement de dos. Bon, alors, ici, on a un énorme, énorme cèdre bleu. Ah, bah attends, elle est un mètre. Elle est mutre. Eh ben, c'est plus de 3 mètres ici, là. Et... T'es là? Vas-y, je lâche. La circonférence. Plus 120. On était à 3 mètres, plus 120. 4 mètres 20. 4 mètres 20 de circonférence. Un bel arbre. Et puis là, il a son petit frère. Alors, vous voyez, il est en train de mettre toutes les branches de ce côté. Et comme de ce côté-là, ben, il est étouffé, en train de faire, ça. Quoi. Ouais, elle veut mesurer l'autre. Petit, ouais, plus petit celui-là. Enfin, il fait 3 mètres, hein, quand même. Hein. 3 mètres. Donc 4 mètres 20 et 3 mètres de circonférence. Pas mal. Et si vous regardez, vous avez les frangins qui sont là. Trois énormes cèdres bleus, super beaux. Alors ça, si c'est beau. Moi j'adore. Tu vois les branches qui font ça là. Je kiffe à mort, tu vois. Ouais. Regarde comment elle part à plat. Elle ouvre là-bas, ça fait une ombre sympa dessous. Ouais. Moi j'adore. Du coup, on va enlever celui-là, celui-là, celui-là. Et j'ai la tête de l'autre à faire parce qu'il a été cassé par le vent. C'est vraiment pour ouvrir le cèdre, les deux cèdres, et les laisser s'épanouir, beaux, grands. Ouais. Voilà, majestueux comme le cèdre. Le problème, c'est que c'est planté beaucoup trop serré. Donc à choisir, eh bien, il vaut mieux enlever cela que les cèdres. Et puis de toute façon, j'ai pas la tronçonneuse. Il est trop gros. Alors, on me demanderait de faire ça. Tu peux te brosser, Martine. Touche pas à ça. Pas touche. Il est en bonne santé, il est en bon état. C'est marqué en gros sur la bille, touche pas à ça, petit con. Bon allez, nous, on va continuer, on va grimpatouiller. Je vais te montrer à la vitesse qu'on démonte un arbre quand je suis pas obligé de penser au téléphone qui est là. Montrez le vieux. Économise-toi le vieux, il m'a dit l'autre. Oh de Dieu. Bon, t'as vu où aller la plombe? On y va? Tu es prêt? 3, 2, 1, feu. Non, je déconne. Non, je déconne, Faux départ, Clap,
Tu vois, à chaque fois que je monte, elle danse. Allez, c'est gros, ça grimpe. Eh, franchement, celui qui m'a découpé cette branche là, il pouvait pas le finir l'arbre. Non. Après, je suis pas attentif. J'entends ça. Lâche-moi, toi. Vilaine. Ah, ça, faux aplomb que ça fait, putain de vent, foiré, sale putain, je te dis on a plus de 30, heureusement que j'arrive dessous. Je passe 4 mètres de faux aplomb. Ah, en deux. S'il n'y a pas l'arbre là, ça va, mais avec l'arbre. De toute façon, entier, il va presque au bout de la maison. Hein. On va pas encore refaire la toiture. On le pousse à la longueur, son con. Il bouge 2,53 m en tête. Hein. Putain, le patron. Vilaine, t'as foufle. Merci. L'épée l'ennemi de la gueule, les vents, le ventre très dangereux. Arrête de gigoter, trop tard, je suis en haut maintenant. Il est con lui. Et par descendre, hein. Et la vierge. Ah, tu peux te brosser, Martine. Alors descends pas. Ah non, la suite reste. Ah oui. Après il y a Sila. Après il y a Sila. Tu l'as coupé le cou. Ah bah elle ne te plaît. Calme-toi. Ça, je vais pas le faire de là, je vais coincer la tendonneuse. Ah bah elle a l'air con, la tendonneuse coincée à cette hauteur. Tu comprends le? Ouh, il faut pas la coincer la tendonneuse. Tu coincer la... Aïe. Mal ça. Tu coincer la tendonneuse à cette hauteur. Mais... t'en fais quoi après, il ne va gagner wingé. Être barge pour grimper avec le temps devant. Oui, mais se faire du mal. Hop là, au pied. Je sais pas s'il est pas plus haut que l'autre. Arrête de me gigoter, Martine. Oh, trop musclé. Tu le sens le vent là? Putain, il avait dit aujourd'hui. Les élagueurs, belle journée, vous pouvez y aller, vous serez rien. Je l'avais appelé le Dahlia pour savoir. Et qui c'est les gens, le Dahlia? C'est Evelyne.
Evelyne Dalia. Big up à toi, Evelyne. N'empêche d'aller des conneries, Vilaine. En plus, je suis face au vent. Si je fais les deux autres ce soir, je vais chier les bûches. On va pas faire du pelé, les gars. C'est pas bon. C'est pas bon, l'oreille dino, les gars. On les entend ici derrière l'oreille con. Ah, mais un masque, mais des lunettes. T'as déjà eu la guerre avec des lunettes, toi? Moi, oui. Il y a un poil de cul de buée. Ah, il est presque à la pointe, les gars. Eh, vous imaginez, il y a un mec qui est venu les tétés. Non, c'est cassé. Non, il s'est cassé. Non, il s'est cassé. Il n'y a pas un gland qui est monté jusque là pour couper la tête, il est redescendu quand même. Il y en a pas un qui a facturé ça quand même. Ah, ça va. C'est vraiment. Ah, couchez. Couchez, nom de Dieu. Coûte rien ce qu'on devant. Allez. Et en avant la petite tuguette. Non, je vais pas dire le reste, c'est pas bien. Hey les gars, il y a quelqu'un qui connaît Huguette. C'est qui c'est Huguette? C'est celle qui me... Maman, j'ai peur, ça souffle. Ah les gars, il y a quelqu'un qui vient me chercher, j'ai peur. Déjà, d'après vous, je vais y sécher là. Ça fait tout simple de gorge ça. Nom, nom, nom. Je vous dis, je vais faire du pelé. Hein. Quelqu'un qui veut chauffer. Non, ça vous fait les copos. On va ressortir du pelé. Bon, alors ça, c'est le meilleur emplacement pour couper la tête, mais ce qui serait bien, c'est qu'il s'arrête, vous voyez. On est où là? Là, on est où? Ouais, c'est le plus haut parce que l'autre il est plus bas. L'autre il est plus bas. L'autre là-bas, on n'en parle pas, c'est un édipicien. Ah, on est compte, on est presque à la pointe du cèdre. Ah, tu vois, le mar central il a été pété, tu vois. Bon, il y a Sébouni dans l'oreille qui me dit que vous kiffez le live. Moi aussi, je vous kiffe. Secondes pour arriver en bas, les enfants. 4 secondes, mais la barre manche pour arriver en bas. Ah, maintenant que je le sais, j'ai peur. Oh le con. Alors, tu vois, quand t'es comme ça, on aura des bâtiments, là. Faut monter très haut. Parce que sinon, tu fais ce qu'ils ont oublié de faire, là. Voilà, si tu te rates dans le tour, là, qu'ils ont refait, ben, tu mets 2-3 petits Velux. Puis tu fais bien fait. Les trous sont déjà faits. Il n'y a plus qu'à installer. C'est vrai. Faut faire attention. À la branche, ça abîme les toits. Venu de cette hauteur. Faut pas le faire, ça énerve les proprios, les gars. Ça m'est arrivé une fois. On était pas content, monsieur, après. On était énervé. C'est la seule fois où dans ma vie, un mec il m'a dit comme ça, bon, tu sais quoi, tu vas tout poser là et tu vas rentrer chez toi, tu te bien. Je vous jure que c'est vrai. Je t'ai fait un travoucasse dans le toit. Ça l'a énervé. Oh, couchez. Arrête de me secouer, oui. Je vais vomir. Arrête, oh. C'est mignon. Putain, ça secoue. Pourtant, nous, non, il tient rien, mais là, ça secoue. Hein? Maman a peur de dormir aussi. Non, mais pour toi. Oh, le coquinou, la petite rafalounette au moment où je lève la tronçonneuse. Vilaine. En fait, c'est chaud patate de tenir l'équilibre. Oh, un salaud. Oh, le salaud. Il veut m'étouer. Il veut m'étouer. Putain, je le vends de face à l'opposé d'où la tête doit aller. Pas malheureux, ça. Étoile du neige. Mon cœur amoureux. Tu es prise au piège de tes neuneux. Ah oui, parce que le vent, ça se mesure en nœuds, les gars. Y a rien en dessous de la ceinture. C'est que vous avez pensé à ça. Allez, sois mignon. Il va me faire monter jusqu'en haut. Mais c'est cool, les vents. Alors, vous voyez, avec un vent comme ça, même juste avec les 4 branches qui restent là, les gars, et si vous le coupez maintenant,
Et bien normalement vous le prenez dans la gueule. Même avec les 3 trognons de branches qui restent là. Alors sous-estimez pas la prise au vent des résineux. Parce que vous pourrez jamais le repousser là-bas, c'est pas vrai. Alors après il faut prendre une nounou qui va se mettre en bas. Vous attachez une cocorde là. Et après secou. Attention parce que nounou quand t'es secou. Après vous vomissez. Allez mon petit père, passe-toi, sois mignon. Allez, sois mignon avec ton Domi. Il veut pas se poser d'un pet, hein. Il s'arrête jamais. Tu vas m'énerver. Je vais monter plus haut. Oh, un frelon asiatique qui est passé. Vous l'avez vu? Un frelon asiatique. Fais pas le con, il va me piquer. Je t'ai rien fait. Et putain, j'ai monté aussi haut que le cèdre, petit. Non? Il veut pas se poser. On continue à monter. Allez, on va monter sur le petit bitonio. Hein. Alors ça, vous le faites pas, les gens, si vous êtes pas habitués. Avec un vent pareil, monter sur aussi petit, vous le faites pas. Faites pas les cons. Vous allez vous faire du mal. C'est surtout une question d'équilibre entre le vent, le poids, les branches. Alors là, où est la branche? Elle va dans l'autre. Elle va là-bas et pourtant elle est coupée pour aller au pied. Chut. Ah mignon. Ah mignon, et ton Domi. Ah mignon, hein. Mais pas le con. T'en vas pas me foutre en bas. Un peu de sécurité, ça peut préserver son homme. Hein. D'habitude, ils sont chez Seb là-haut. Ah, le problème de le couper en deux, c'est que j'aimerais bien pouvoir le diriger. Elle est mignonne, hein. Coupe en deux. Un autre décidé comme ça. T'as vu, j'ai tombé la branche. Maintenant, mon kiki, on va discuter. Maintenant que t'as plus de plumes, alouette. Alouette. Gentil alouette. Alouette. Je te plumerai. Allez. Tu compteras combien de secondes à la mine pour toucher le sol? Ah, on pousse. Ça va dire à la tauteur que je suis. Mais petit, poussin. Ah les mecs ils te disent, oh les gars, vous avez de la chance d'être dans la nature. Tu vas y venir dans la nature, tu vas l'avoir de près la nature. Tu la sens la nature? Tu l'entends? Ouais, ouais, voilà, sens bien la nature. Oh oh. Ah et secoue, il fait ça hein, quand tu secoues. Hein. Et moi je suis accroché dedans hein. C'est mignon là. Ah merci les rôles, c'est long. Bon, alors les gens, si vous voulez vivre la même chose comme aventure, ben vous appelez le Dahlia, vous lui dites quel temps il fait demain. Surtout si elle vous dit, ah on peut y aller, restez chez vous. Allez vendre des frites à la plage, mais faites pas ça. Ah ça souffle. Il vient de là le con. Il viendrait de là. Oui, mais non, il vient de là. Ah ouais, forcément. Jamais, jamais où que tu veux. Comme disait Jean-Claude, regarde loin l'horizon quand ça se coupe. Du coup. Ah sale bête. Ah sale bête. Ah, hâté. C'est là que les Athéniens s'éteignirent. Ah bah oui, mais c'est en doucement. C'est même passé quelque chose. T'es prêt? Et ça, elle est pas belle? Dis donc, coquine. Pourquoi t'es resté coincé là? Hein? Vilaine. Écoute pas. Quand je coupe, c'est en bas. C'est pas bien. Non mais. Tu es prêt? On y va mon poulet. Attention. Ça y est. Abattage. Sur le scorpion. Ah tchè. Ah.
j'étais né en 17 à Eidenstadt, je serais bien trop vieux pour couper des arbres. J'aurais des crampes aux mollets et puis aux cuisses. Pas que là d'ailleurs. Ouais, arrête tes conneries là, au boulot. Attention là. T'as vu le chien, t'es pas con. Il dit attention, t'as vu. T'as vu s'il se casse le crêpe. Il est plus attentif que certains humains. Très bel arbre, mais tu vois tout ça, 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 toute cette surface là, c'est là, comme ça, bah tout ça c'est pourri. T'es temps, surtout que la maison est neuve en face, sans regret, parce que quand tu as ça, plus ça, plus ça, plus tout ce qui est par terre là, qui vient là, comme ça là, et bien ça craint vraiment. Ouais, j'en sens regret. Alors celui-là, la dernière fois que vous avez pas vu, j'étais tombé en panne de pile. Hein, quand tu commences à enlever des morceaux comme ça dans la souche, ça craint. Donc tu vois, comme ça, comme ça, là, ici au cœur, ça a commencé. Là aussi, tu vois, on voit que c'est pas le même bois là. Pourtant il paraissait beau. Mais tu vois, un pied était presque mort. Celui-là était beau, mais l'autre. Fait. Donc quand vous avez des arbres comme ça, même qu'ils soient beaux, soyez vigilants. Parce qu'après, une fois que vous l'avez sur la maison, en travers, avec le fêtage par terre, s'il n'y a pas d'enfant dedans, c'est le principal. Voilà. Et bien les deux autres demain. Trois demain. Oh, demain, c'est là, et la tête de l'autre là-bas qui est cassée et qu'il faut aller nettoyer l'eau. Voilà. Et maintenant, on rentre à la maison, parce qu'il y a trop de vent. Et Nono, elle a dit, tu montes pas. Alors, on reste par terre. Surveillez bien les arbres au bord des maisons, d'accord? Et arrêtez de dire, oh le pauvre. Voilà. Ça tue. Il ne devrait pas y avoir un arbre à 15 mètres d'une maison. Au moins. Voilà. Allez, on y va. À demain.